Bonjour tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour... on est sur la PS4, comme vous voyez, il n'y a pas la facecam. C'est parce que on est sur la PS4, comme je vous disais. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au jeu Far Cry Primal. Donc c'est un jeu assez intéressant. Oh non, le mammouth. Je vais vous raconter une histoire. Tantôt, j'étais avec mon ami le mammouth ici. Et on se sauvait d'un gros mammouth. Et puis là, il est décédé apparemment. Donc je vais prendre sa viande. Waouh, 12 viandes. Ok, ouais. Donc ça donne beaucoup de viande apparemment. Et les petits mammouths, les gros en donnent encore plus. Donc c'est lui ici que j'ai un peu dérangé. Puis il était pas super content de ça. Alors il est venu m'abattre. J'aimerais vraiment ça vous montrer ce clip là. Sauf qu'en fait j'ai été dérangé. Donc je peux pas vous montrer ça. Donc ici on a une espèce de bâtiment. Donc je pense que ce que je vais faire, comme tous les autres bâtiments qui se méritent en fait, je crois, ouais, je vais prendre un petit gourdin. On va oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle? Ok, en tout cas. Donc là je vais pourquoi est-ce que je peux pas hein? Oh my god. Ok, ah, okay. Oui, désolé. Ça fait... Bon, là, on... comme tous les bâtiments qui se méritent, on va les brûler. Juste comme ça. Ça va passer vite. Inquiète-toi pas. Non, non. Là, je suis pris en feu. Et voilà. Un beau spectacle. Waouh. Très, très beau. Donc, c'est ça. On va continuer à brûler des choses aujourd'hui. Donc, on peut brûler des arbres. Donc, on va brûler des arbres. Si on peut le faire, on va le faire. C'est comme ça ici. Bon, voilà. Un beau petit feu de forêt. Des familles. On peut brûler les arbres aussi. Et voilà. C'est ça que j'aime voir, des beaux petits feux de forêt. Ici, en plus, on a des fleurs. Waouh. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent pas bien le jeu, c'est un jeu qui se passe au temps des hommes des cavernes. Et des hommes préhistoriques. Et en fait... ce que c'est, si on a un village, on doit améliorer notre village. Waouh, ok, non. Lâche-moi, s'il te plaît. Est-ce qu'il va m'attaquer? Oh non, non, merde, il me cime. Oh non, non. Donc, aussi, on peut dompter des différents animaux. Comme lui, je peux pas le dompter parce qu'il veut essayer de me péter la gueule. Est-ce qu'on essaie de le mettre en feu? Let's go, on va essayer de le mettre en feu. Oh, waouh, avez-vous vu ça? Est-ce qu'on peut le mettre en feu? Et voilà, c'est ça qu'on veut voir ici. Mettre des animaux en feu. Oh non, non, merde, il continue à me suivre. Non, s'il vous plaît. Donc, durant que j'expliquais comment jouer, donc continuons. Tu peux aussi crafter des items avec les différentes ressources que tu trouves dans le paysage. Ben, ma merde. Et c'est ça. Donc, ça vous montre en fait, c'est pas super réaliste. Oh, merde. Waouh, ok, ouais, on va essayer de sauver, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais comment ça, il meurt pas du feu? Il meurt pas du feu! Pourquoi il meurt pas du feu, là? Merde. Oh, là-bas, il y a un mammouth. On va embarquer dessus, on va embarquer dessus. Oh, non! Oh my god, il arrête pas de nous tabasser, s'il vous plaît, le mammouth, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laisse-moi monter sur toi. Ok, let's go, il faut monter sur le mammouth. Ok, vite, vite. Bon, là, on est sur le mammouth. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, petit con? Alors, on va aller mettre les autres mammouths un peu. Mais je pense pas qu'ils vont oublier ça. Donc on va se sauver. Donc en fait, maintenant je vais vous montrer comment crafter les items. Donc vous allez dans votre menu ici. Et là vous avez, comme ici il me faut 0, 1 bois dur pour crafter des flèches. Donc ça ici c'est ça pour crafter les armes. Si vous voulez upgrader vos armes, comme ici l'autre jour j'ai upgradé ma sagaie. Donc là elle devient plus puissante. Donc là il y a encore un gars qui nous suit. Lui ici il veut nous suivre, hein. Ouais, ça je pensais. Ça que je pensais. Oh, est-ce qu'il est mort? Oh, oh non non non, il est pas content. Oh, il est pas content. Il est pas content. Attends, est-ce qu'on peut le battre? On va lui rentrer dedans et on va... Ah non. C'est vraiment difficile de se battre en étant sur un mammouth. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Mais voilà. Bam. Desawiyu. Donc juste comme ça.
on tue des mammouths, on n'a pas de respect ici. Et là, comme vous voyez dans le coin en bas à gauche, j'ai une mini-map. Et ben ça me sert de voir qu'est-ce qui s'approche et qu'est-ce qui s'éloigne de moi. Ok, je vais monter sur notre mammouth, s'il vous plaît. Laisse-moi monter sur toi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et c'est difficile de monter sur les mammouths. Bon, donc c'est ça en gros le jeu. Dites-moi si vous aimez ça, voir des vidéos sur la PS4. C'est ça, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, il y a un autre feu. Ah, regardez, il y a un petit lion des cavernes, on dirait. Donc c'est comme ça que ça s'appelle. Et là, on va l'écraser. Donc ici, on n'a aucun respect. Et on tue les... Attends, c'était un lion des cavernes? Je suis pas sûr. Ah ouais, c'était un lion des cavernes, comme je pensais. Donc c'est ça aussi, dans le jeu, vous pouvez upgrader vos compétences, comme vous voyez ici. Donc moi, j'ai seulement 2 points de compétences, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Et ça va vous permettre, en fait, d'avoir différentes compétences. Donc aussi, il y a un système de missions, ou si vous faites des missions, vous pourrez upgrader votre village. Donc c'est ça. Et c'était notre bâtiment tantôt, il a même pas brûlé au complet. Ah ben ça m'étonne. Donc ah non, c'était celui-là notre bâtiment. Ah ok, ouais. Il est passé au feu. Donc c'est ça. Là on a brûlé des mammouths. On a fait... C'est ça en gros le jeu. Là j'ai plus assez de place pour ça. Donc en gros c'est ça le jeu. Il y a beaucoup de détails que je pourrais vous expliquer comme des mini-missions. Oh regarde. Est-ce que vous vous rappelez de lui? Oh non, il nous a vu là. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, donc là, il y a des gens qui m'ont vu apparemment. Donc aussi, quelque chose d'important dans le jeu, c'est ça ici, c'est la vision de chasseur. Donc là ici, je vais prendre mon arc et je vais aller tuer Sextinoscope. Est-ce qu'on peut faire le tuer Sextinoscope? Oh non, lui c'est mon ami. Hey, où est-ce qu'ils sont les méchants? C'est lui. Ok. Tu sais que Steam, no scope. Oh wow. Wow. Est-ce que vous avez vu mon beau 360 no scope là-dessus? Donc, oh merde. Oh, oh non, mon ami. Est-ce que vous avez vu ça, mon pauvre ami? Ah non. Là, faut sauver. On va mourir. Est-ce qu'il peut venir dans l'eau? Ah, oh non, vite. Oh oui. Une autre chose importante dans le jeu que j'oubliais de dire, vous pouvez aussi dompter des animaux. Donc ici je vais chercher. Oh non, mon ours il est mort. Ah, il me faut 6 feuilles rouges pour le ressusciter. Ouais, ça c'est dommage. Oh non. Donc ici, il y a mon tigre à dents de sabre. Donc là, je vais monter dessus et je vais m'échapper à toute vitesse. Parce que je suis vraiment peureux. Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Récolter des matériaux, c'est pas l'affaire la plus intéressante dans une vidéo, je vous l'accorde. Mais là-bas il y a des mammouths. En tout cas, donc il faut que je continue à m'améliorer si je veux vraiment vous montrer du gameplay de qualité. Parce qu'il y a une mission que j'essaie encore de faire et que je ne réussis pas à faire. C'est vraiment difficile comme mission. Je vais vous montrer c'est laquelle. Mais s'il y en a qui sont très bons dans le jeu, même peut-être qu'ils vont connaître cette mission là. Oh ouais. Ah, il y a du poisson là-bas. Du poisson croc. Ah d'accord. Donc juste ici c'est cette mission là. Donc très difficile. Donc je vais essayer de travailler sur cette mission là. Et peut-être qu'un jour on va réussir à pouvoir faire ça ici. Chasse aux défenses rouges. C'est la dernière mission. Donc ça va conclure la vidéo les amis, j'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ah, juste avant, je vais vous montrer mon village, à quoi ça ressemble. Ok, c'est ça, si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et si vous voudriez voir d'autres vidéos comme ça, n'oubliez pas de vous abonner. Là on est déjà rendu à 13 abonnés, donc c'est vraiment cool. Je vais vous montrer un petit tour de village. Donc on va voir nos magnifiques habitations. Voilà, c'est incroyablement fait. Ça a pris environ 50 ans d'agriculture. Et ici, en live, vous pourrez voir
notre ami Gilbert juste ici jouer du tam tam. Donc c'est vraiment cool. Donc là, notre ami Gilbert, il a l'air vraiment content. Ah, c'est vrai, je peux pas utiliser mes armes. Sinon, je l'aurais tué. Là. Est-ce que je peux-tu lui lancer ça dessus? Non? Ah, c'est dommage. J'aurais aimé ça tuer Gilbert. Mais on peut pas. Oh, wow. Donc, wow. Donc là, on a une belle scène culturelle. Donc, du... le bio de bois, qui est sûrement le meilleur espoir. Là, on a un enfant. J'aurais ça tué l'enfant. Ça serait tellement drôle. Là, j'ai l'air d'un psychopathe, mais on va le suivre. On va le suivre, aller voir qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour. Coucou. Oh, wow. Donc, je vais arrêter de... C'est ça, avant que ça devienne encore plus bizarre, je vais arrêter la vidéo sur ce point. Je vous vois dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis bye!